Hello everybody, it's Florian Francaison. Pourquoi j'ai parlé en anglais? Je ne sais absolument pas. J'avais juste envie, parce que je trouvais ça fun et que je me tais. Donc, je continue avec ma petite suite de tutos sur tous ces personnages. Et donc, le tuto du vieux monsieur, parce que dans pratiquement... Enfin, on va dire, dans pratiquement tous les cartoons que j'ai vus, quand il y avait un vieux monsieur et une vieille dame, c'était toujours ça, enfin, il prenait le personnage de base, voilà, il changeait la couleur des cheveux et il claquait ça dans le carton. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va protester contre ça. Et donc, on va changer un petit peu ce personnage. Je ne dis pas qui sera beau, parce que quand vous voyez la grand-mère que j'ai faite dans mon tuto, elle n'est pas magnifique, mais on va changer un petit peu la donne comparée au petit cliché qui est là. Donc, voilà. Ils sont pas affreux, hein, bien sûr, je dis pas. Même si pour ma part, je trouve que la grand-mère est très très maigre. Mais on va juste changer un petit peu le personnage pour qu'il se rende un peu plus festif, quoi. Qu'il ait plus de personnalité que si vous preniez le personnage de base, quoi. Donc, comme je fais très rarement, je crois que j'ai même jamais fait de grand-père dans mes cartoons, je ne vous promets rien. Excusez-moi. Mais on va juste essayer de faire le plus ou moins réaliste, voilà. Donc c'est parti. Bon, pour un monsieur, bien sûr, il faut mettre ça et ça. C'est toujours très très joli, ça fait un très très bel effet. Et on met cette coupe là qui est très séduisante. Voilà. Voilà, ah, pardon, j'ai oublié d'en jeter. Voilà. Ok, j'arrête mes conneries. On va peut-être... Donc, j'enlève absolument ça, parce que sinon je vais pas réussir à me concentrer. Donc, pour un vieil homme, on va prendre un pull hein, normal ou même un t-shirt. Moi, je vais mettre un pull parce que voilà. Et par exemple, je vais rajouter. Voilà, on va dire qu'il y a une salopette. Voilà, on va laisser la salopette. Voilà. Donc pour un vieil homme, ce corps-là convient parfaitement bien. Bien sûr, vous pouvez être plus maigre, hein, parce que tous les hommes de 60 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans et plus là, n'ont pas un corps comme ça. Donc nous, on va peut-être, je sais pas, on va peut-être laisser comme ça, je sais pas trop. Après, vous pouvez aussi mettre ça. Hein. Moi, je vais mettre ça comme ça. Voilà, ça, c'est pas trop fin, pas trop maigre non plus. Donc voilà, la largeur elle est plutôt bien comme ça, je pense que je vais laisser comme ça, vous mettre un peu plus fin aussi, ça va pas non plus, ça choque pas trop. Mais je pense que je vais mettre comme ça, tiens. Pour la hauteur, je pense qu'elle est très bien comme ça, vous pouvez laisser, hein, ou bien même changer. Et voilà, après pour les bras, voilà, je pense les laisser comme les personnages masculins, je peux même mettre comme ça. Mais sur le coup, je pense que ça irait mieux à un vieil homme. Donc, non, mais Pandora, non! Désolé, c'est mon chat là. Non, pas dans l'armoire! Non! Mon chat, c'est un fou. excusez-moi, je peux vraiment pas mettre pause. Du coup, là, je suis obligée de d'apercevoir les bouquins en fait, plutôt. Donc, pour les jambes, après, il y a ça, il y a vraiment pas de. Ça choquera pas. Mais personnellement, franchement, je pense que ça reste le mieux. Donc voilà, je pense que niveau grand-père, entre guillemets, ils ont fait plutôt bien. Enfin voilà, c'est plutôt mais réaliste, mais c'est cliché. Pas à l'armoire à chaussures Oh là là. Pardon, pardon, je m'excuse, hein, je peux vraiment pas me mettre pause, en fait, j'appuie sur le bouton pause, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc. Pour un vieillard, entre guillemets, ces chaussures-là sont très bien. Excuse-moi. Donc, ces chaussures-là sont très 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 bien. Mais vous pouvez aussi mettre celle-là, ça choquera vraiment pas. C'est même un des trucs qui choque le moins de tous les personnages. Mais bon, moi je vais quand même laisser comme ça, parce que voilà. Donc, on peut choisir n'importe quelle ceinture. Ça ne choquera pas. Maintenant, on va mettre ça plutôt, voilà. C'est plutôt simple, plutôt classique, mais plutôt bien. La taille du cou, elle est assez bien, vous pouvez même rajouter une petite taille, donc moi je vais rajouter un petit peu. Fonction de voix. Donc pour la largeur de la tête, donc vous pouvez changer parce que c'est pas très
C'est pas très choquant, vous pouvez faire ça, voir ça même, mais peut-être pas non plus. Nous, on va mettre comme ça, ou voir comme ça. Donc, vous pouvez mettre cette cette tête-là, voir cette tête-là, ou même ces deux têtes-là. C'est même ça, ça fonctionne aussi très bien. En fait, pour les vieillards comme ça, il y a à peu près toutes les têtes qui fonctionnent. Donc nous, on va mettre ça, voilà, on va changer un petit peu. Et pour la taille du menton, on va baisser un petit peu, voilà. Pour la taille des oreilles, donc ça, c'est pas très choquant, mais moi, je vais baisser puisque c'est mon style. Bon, cette fois-ci, pour le coup, je vais laisser un peu plus grande puisque je trouve que ça lui va plutôt bien au sein, voilà. Après, pour les vieillards, évitez peut-être juste les boucles d'oreilles parce que c'est jamais très spécialement beau, quoi. Voilà, je suis à la Star Academy, voilà. Donc voilà. Après, pour les cheveux, donc on va changer un petit peu la position, voilà. Donc vous pouvez, nous, mettre, je sais pas trop, on va mettre quelque chose de spécial. Oui, non, mais ça vous avez pas, donc on va éviter. Nous, on va mettre quelque chose de ce style-là, par exemple. Ouais, non, ça fait plus... Oh, en plus, il a encore ses boucles d'oreilles. Mais non, je voulais les enlever. Je n'ai même pas remarqué. Donc nous, on va mettre ça, voilà. Après, bien sûr, voilà, YouTube, vous pouvez faire après toutes les coupes un peu, toutes les coupes non, pas du tout, mais les coupes bouclées, comme ça va souvent bien aux vieilles personnes, comme ça, aux personnes âgées. Après, un style aussi normal, c'est plutôt bien, hein, ça lui va aussi très bien comme ça, donc nous, sur le coup, on va lui mettre une petite, des petites bouclées, voilà. Après, vous pouvez mettre des chapeaux, ça va très bien avec, à des vieux monsieur comme ça, c'est toujours très bien, c'est toujours très clair. Pour les lunettes, on va dire passer aux lunettes, hein. Je trouve que ces lunettes là, ça va, c'est passe-partout sur tous les personnages. Mais pour les vieux monsieur, je pense que ça ou ça, ça va très bien, enfin ça surtout. Donc voilà. Pour la position des yeux, je pense que je vais mettre ici. Je suis désolée, excusez-moi, je sais pas si vous avez entendu un bruit, c'est mon chat qui vient de faire tomber mon truc de rideau là. Je vais te couper les pattes, hein. Puis je vais t'arracher tes petites dents là. Et puis je vais te mettre au four, voilà. Voilà. Comment menacer un chat sans penser en fait. Donc voilà, moi je vais changer un petit peu la largeur des yeux, donc un petit peu, parce que les yeux très petits, je sais, ils ont des petits yeux à la plupart du temps. Mais voilà, moi je vais baisser un peu les yeux, parce que j'ai pas souvent fait des personnages avec les yeux baissés comme ça. Donc voilà, les coins extérieurs des... la hauteur des sourcils, donc moi je vais laisser assez gros les sourcils, même assez épais, voilà, comme ça. Donc pour le vieux monsieur. Donc les lunettes, on a fait. Maintenant on passe au nez, donc comme j'ai dit, pour les enfants et pour la vieille dame, si par exemple ce vieux monsieur, c'est un personnage adulte que vous avez déjà fait dans le futur, il ne vaudrait mieux pas changer le nez, parce que sinon ça fait un peu genre il s'est fait refaire le nez, etc. Donc nous on va laisser ce nez là, parce qu'on va dire que notre personnage là, ce nez là par exemple, j'ai envie, voilà, je trouve très bien ce nez. Et donc pour la position, moi mon style c'est toujours de coller en fait le nez à la bouche, mais comme là je trouve que ça fait plutôt bien quand il est pas trop collé, on va le laisser comme il est. Pour la hauteur, je vais même un peu augmenter, voilà. Et pour la largeur, je trouve qu'il est comme ça, il est bien. Pour la longueur, ce côté, il est plutôt pas mal. La taille de la bouche, donc si c'est trop grand, c'est pas bizarre. Donc même là, je trouve que c'est un peu trop grand. Et là, c'est un peu trop petit. Donc on va mettre entre les deux. Et voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. L'épaisseur des lèvres, donc comme voilà, je vais mettre comme ça parce que voilà, avec le temps, les lèvres elles se. Voilà, hein, un petit peu, voilà. Bon après c'est des clichés hein, c'est pas non plus le cas pour absolument toutes les personnes de la Terre, sinon voilà, c'est un peu bizarre. Donc pour les vieux monsieur comme ça, toutes les moustaches, toutes les trucs comme ça, ça va. Donc nous ouais, tu as une petite moustache comme ça, fantasy, voilà, ça donne un air sympathique. Bon, j'essaie de faire des accents de merde, je suis désolée, pardon. Donc évitez de mettre des voix parce que ça donne des trucs. Voilà, très magnifique. Et donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé, parce que voilà, bon, il n'est pas non plus 10 000 fois plus sympathique que l'autre, hein, il ressemble d'ailleurs étrangement, mais voilà, c'est vraiment juste pour briser un petit peu
le personnage de base. Donc c'est vraiment, j'ai fait ces tutos là. Les gens ils me diront peut-être oui, mais ça sert à rien d'avoir fait un tuto sur les vieux monsieur machin. Peut-être pas, mais je voulais vraiment briser un petit peu ce petit. Enfin, tout le temps les tutos que sur les adultes. Je voulais vraiment faire tous les personnages, comme ça il y a vraiment un peu de tout, comme ça il y a du choix, et voilà. Donc j'espère quand même que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller sur ce topic pour demander des tutos. Bien sûr, c'est gratuit, ne demandez, hein. Je fais ça de bon cœur, c'est parce que j'aime m'en faire que j'en fais. Bon, n'hésitez pas, et à bientôt pour d'autres tutos. Salut !